filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va. Donc là j'ai un peu chaud. Donc là les enfants, je vais vous montrer quelques achats bêtes et banales que j'ai fait. Mais en gros la vidéo c'est surtout pour vous montrer trois pièces que j'ai achetées, pas via ou grâce ou je sais pas comment dire ça, mais parce que je l'ai vu sur la chaîne de Sanana, ok? Et je vais vous dire ce que j'en pense de ces trois pièces-là. Mais je vais commencer par le petit bricole que j'avais dans mon panier. Donc, dans mon panier, je ne sais pas, dites pas que je suis folle. Hein, je ne sais pas si je vous ai déjà montré les trucs, mais bon, si je vous les ai déjà montrés, ce n'est pas grave. Ok, donc j'avais acheté ça chez Lidl. Donc, voilà. Donc, c'est toujours utile. Et j'ai pris ça aussi. Donc, j'ai pris ça pour les filles, pour moi, ça pour Mélanie, pour les filles, parce que tu as toujours besoin de ça dans ton sac. Et j'ai dû payer ça, je ne sais pas, 3 euros, 1 euro, 3 euros, entre 1 et 3 euros, je ne sais pas. Vu que j'avais acheté 3 paquets, je ne me rappelle plus le prix, mais c'est chez Lidl que j'avais acheté ça. Ensuite, ça, j'avais acheté ça chez Noz aussi, pour hommes. En application Yuka, je ne sais pas les enfants, je ne sais pas si je l'avais scanné ce jour-là, je ne sais pas. Une chose que je sais, c'est que quand Nanou se douche avec, parce que c'est pour Nanou, il est super, super couleur violet ou je ne sais pas quoi, foncé. Donc, je ne vous dis pas. Ensuite, donc ça, j'avais repris deux chez Action. Si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire. Donc, chez Couleur Dorée, m'avait dit que ça tâche, effectivement, ça tâche. Faut faire attention quand vous l'utilisez pour ne pas s'aller partout. Mais sinon, c'est un goût mentholé et c'est pas cher du tout. Ensuite, ça aussi, c'était chez Noz. Donc voilà, j'en avais acheté deux. Donc là, si je l'ai acheté, c'est que l'application Yuka était bien. Donc voilà. Donc c'est un. Comment ça s'appelle? Un Hydracar. C'est un booster. La fille qui ne sait même pas ce qu'elle a acheté. Je sais. Ah oui, je suis bête. Je l'avais lu là-dessus. C'est un gel anti-rides. D'accord, voilà. Mais je ne me rappelais pas si c'était pour ici. Ou si c'était pour toute la peau. Donc c'est un gel anti-ride. J'en avais acheté deux. Hein. Et il y a une pompe. Donc je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai d'autres choses à utiliser, les enfants. Donc voilà. Ensuite. Donc là, je vais vous montrer ce que j'avais acheté au cul du fou. J'adore ça parce que je fais la collection des endroits où je passe, que ce soit les pays ou que ce soit les villes. Le secret de la lance. Voilà. Puis du fou. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, pour une fois, ces trucs-là ne sont pas chers. Moi, perso, hein, ça coûte 3 euros. J'ai l'habitude d'acheter ça souvent. 3 euros, 3 euros. Ouais, de la grandeur, il n'est pas cher. Donc, celui-là, il était un peu plus cher. Donc, là, je vous le montre parce que j'ai attendu tout le temps pour pouvoir le coller sur mon frigo. Et celui-là, j'avais payé plus cher. Donc, c'est Puits Youfou. C'est le premier que j'avais trouvé. C'est un tambour, un baril écrit Puits Youfou dessus. Donc, voilà. Donc, j'avais payé ça 5 euros, je crois. Là, celui-là, il est cher, mais bon, il est en bois. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans encore que je ne vous ai pas montré? Donc, ça, j'ai reçu ça par Birgitte. Donc, c'est un rouge à lèvres, les enfants. Regardez. Donc, sympa la couleur. Donc, merci ma belle. Donc, je l'avais mis de côté pour vous montrer. Donc, j'avais reçu ça en colis. OK. Ensuite, elle m'a aussi envoyé ceci. Un traitement lissant et lumineux. Donc, voilà. Et elle m'avait envoyé un crayon. Mais le crayon est déjà en action de l'autre côté. J'aurai l'occasion de vous le montrer lors d'une prochaine vidéo test. Donc voilà, merci et Birgitte, ma belle. Et moi, j'avais acheté ça aussi au Puits du Fou parce que j'adore les nougats. Nougat et pâte de fruits, c'est mon dada. OK? Et chocolat noir. Donc voilà. Donc j'avais pris comme ça. Et il y a rose aussi. Donc voilà. Ensuite. Donc ça, je suis incapable de dire si je vous l'ai déjà montré, mais sinon, c'est pas grave. Je sais que je vous l'ai montré dans une vidéo, mais je ne l'avais pas acheté. Et en fin de compte, je l'ai acheté. Regardez comment c'est à l'intérieur, même si vous voyez ce qu'il y a derrière. Regardez.
Hop là, c'est une sorte de gel. Donc le truc, il est loin, je vais le prendre tout à l'heure. Il ne faut pas que je le casse. Oh my god. Donc voilà, donc c'est tout dans cette petite boîte. J'ai ça aussi, je ne sais pas si je vous l'ai montré. C'était 1,49€. C'est un highlighter chez Nose. Donc voilà. Bon, pour ce petit chichi, on s'en passe. Donc je vais vous montrer les pièces que j'ai achetées, que j'ai vues sur la chaîne de Sanana. Pour ceux qui ont regardé, je ne regarde pas les vidéos de Sanana tous les jours. Mais je regarde quand même certaines vidéos. D'accord? C'est là toujours. Ensuite, premier pantalon que j'ai acheté via sa chaîne. Où est-ce que je l'ai mis? Elle est sur ma cuisse. C'est ça. Donc, elle est avec son copain et c'est son copain qui a choisi les trucs. Bon. J'ai beaucoup aimé le fait que le pantalon avait une fente sur le côté. Regardez. Il y a une fente sur le côté. Et vous pouvez l'ouvrir ou le fermer. Et j'adore les pantalons moulants comme ça, d'accord? Sauf que elle a oublié de dire dans la vidéo que c'était my God. Je vais vous le montrer. J'ai fait les photos. Vous allez voir comment le truc il est transparent. Franchement, si je savais qu'il était transparent comme ça, c'est dommage qu'elle a oublié de le dire, qu'elle n'a pas dit que c'était transparent. Mais oh, regardez, c'est transparent comme jamais. Vous le voyez pas là, mais je vais vous le montrer parce que j'étais dans mon salon quand je l'ai ouvert pour la première fois. Heureusement, parce que quand j'étais au... Malgré ça, hein, j'ai mis une culotte sur moi, les filles. Attendez. Qui arrive jusque-là. D'accord? Des culottes sans... Comment on appelle ça? Sans trace. Ma collègue me dit, hey, Gigi, quoi? Derrière toi, on voit l'étiquette. Donc, je l'ai déchiré. On voit tellement le truc est transparent. On voyait une grosse étiquette qui était derrière. On voit une grosse étiquette blanche derrière. Donc, si vous avez un vêtement qui est transparent comme ceci, n'oubliez pas, déchirez l'étiquette qu'il y a derrière. Donc, du coup, c'est elle qui m'a mis ses mains dans, dans mon dos pour me déchirer le truc vite fait parce que c'était pas beau, quoi. Donc, voilà. Mais par contre, je vais le mettre. Hein. Je vais vous montrer comment je le mettrai. Heureusement, j'ai une chemise qui est longue. Donc, je le mettrai avec une chemise pour éviter qu'on voit mes fesses. Parce que là, il est vraiment transparent. Mais sinon, je l'aime. Mais si je devais la racheter, je ne vais pas le racheter parce qu'il est trop transparent. Parce que je ne vais pas le mettre avec tout. Voilà, il était à entre 16 et 12 euros et quelques. Et avec le code de moins 10% de Sana, donc j'ai pu, ils ont baissé dessus. Ensuite, j'avais commandé une paire de bottines aussi. Sauf que les gars, sur Asos, Bou, pardon, ça taille grand. C'est bizarre, hein? J'ai déjà commandé dessus, c'était nickel, les chaussures que j'avais commandées. Sauf un qui était trop serré, donc. Tout dépend de la forme des chaussures. J'avais commandé des bottines vertes. Elles sont toujours là. Je ne les ai toujours pas vendues. Il faut que je les mette sous Vinted. Elles sont neuves pour Crocodile, mais vert. Mais comme c'est carré et moi j'ai un gros nognon là à côté de mon pied là, j'ai une bosse que je dois être opérée, mais je ne veux pas pour l'instant. Donc ça me fait très 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 mal. Donc je ne vais pas utiliser les paires de chaussures pour me voir mal. Donc là j'ai commandé ça. Donc. Elle était trop grande. Je l'avais mis sous Vinted pour le vendre, mais je l'avais mis plus cher. Au cas où que sous Asos, il est plus en promotion. Mais en fin de compte, ça l'a fait. Je ne l'ai pas vendu, mais j'ai été dans mon bon de commande et j'ai vu qu'on pouvait renvoyer les choses gratuitement. Je ne suis pas encore remboursée. Il va falloir que je vérifie mon compte, mais j'ai renvoyé la paire de chaussures. Ils te font. Tu télécharges un bon. Et ce bon-là, tu le colles sur la paire de chaussures. Il ne faut pas photographier le bon. Ça ne va pas marcher. Il faut le faire sortir en papier et vous coller dessus. OK? Donc voilà, vous allez me dire, mais Gigi, tu vas où avec ça? Mais à l'école, à travailler, partout, les gars. Il faut vivre avec votre temps. Moi, je m'en bats les steaks cachés. Donc voilà, ce que j'ai acheté. Donc, elle l'avait dans la vidéo. Bon, son copain n'avait pas l'air d'aimer le truc, mais ça, moi, c'est ce que j'aime. Dans ces paires de chaussures-là, ça fait longtemps que je cherchais ces paires de chaussures-là. Sauf que tu le vois sur Instagram. Mais mon problème à moi, c'est que je n'ai pas confiance en Instagram. Les sites sur Instagram, je n'ai pas confiance. Sauf si quelqu'un a commandé avant moi. Mais des fois, j'ai des personnes qui ont commandé et ils n'ont jamais reçu. Alors moi, mettre mon pognon là-dessus et ne pas recevoir, je vais pigner. Je vais pigner. OK? Donc voilà la paire de chaussures. Ce n'est pas le style de tout le monde. En sachant que tu peux retirer ça, je crois. Donc, j'avais pris 39. 39, c'est ma taille de chaussures. C'est 39.
En talon aiguille, c'est du 38, 38 et demi. Donc, c'est-à-dire les mocassins, c'est pour ça que j'en mets pratiquement jamais, puisque je trouve jamais ma pointure. Toutes les autres paires de chaussures, ma pointure, c'est 39. Mais ça, le truc, il était tellement grand que j'étais obligée de le renvoyer. Et là, ils m'ont renvoyé le 38 et je suis contente. Mon bébé. Par contre, c'était 80 € sur le site. Je ne sais pas, hein, c'est pas comme ça qu'on doit juger une paire de chaussures. Mais je le trouve léger pour les 80 €. Ok? Je le trouve bien léger. J'ai l'impression que 80 € à ah ouais. J'aurais pigné si j'avais payé 80 €. Sauf que là, ils étaient à moins 50%, plus les moins 10% de Sana. Donc, ça vaut le coup. Elle m'est revenue à 36 €. Oui, il vaut 36 €. C'est une belle paire de chaussures. Mais voilà quoi, j'ai l'impression, j'ai peur qu'il est bien. Il est bien. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien. Il est bien. Mais pas à 80 €. Ça m'aurait embêté de le payer 80 €. D'accord? Du cuir, 80 € no problème. Mais là, non. Mais sinon, je suis contente. Je le mettrai avec avec la sacoche. Et je ferai une vidéo en vous montrant des looks avec. OK? Donc voilà les enfants. Donc c'est ce que j'ai acheté grâce, enfin, grâce à Sana, puisque c'est sous sa chaîne que j'ai vu. J'ai dit, si son chéri l'a commandé sous Boohoo, ils n'ont pas eu de problème. Donc je le prends. Mais sur les autres sites, non. Je préfère attendre que quelqu'un le fasse avant que moi je le fasse. Boohoo, j'ai confiance en Boohoo. Là, il y a nos problèmes. Boohoo, j'ai confiance. Je vous dis, la paire de chaussures, elle est légère. Peut-être que vous préférez, elle est légère. C'est dur. Mais 80 €, j'aurais pu peut-être penser que c'était du cuir à 80 boules. Mais non, il n'est pas en cuir, il est normal. Enfin, je suis contente. Je l'ai. Parce que si je l'ai recommandé deux fois, ça veut dire que je peux vous recommander de le racheter deux fois. Allez, ensuite, les frais de port, c'est 3. La première fois, j'ai payé moins, mais la deuxième fois, j'ai payé 4,99 ou 5,99. Bref. Mais ça arrive tranquillement et ça arrive très vite. Au bout de 3-4 jours, tu as déjà tes chaussures. C'est ça, j'adore. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai vu la robe Sana, elle a mis cette, la dernière robe dans sa vidéo, pour ceux qui l'ont vue. Ben, mais vous allez dire, mais Gigi, t'as quel âge? J'ai 51 ans et je l'assume, ok? Si ça te dérange, tu dégages. Tous les gens qui disent que tu es trop vieille pour habiller comme ça, tu dégages le passage, ok? Faut assumer, quelle que soit la grosseur, l'âge, faut assumer. Nos vulgarités, mais il faut assumer ce qu'on fait, ok? Je l'adore. Sauf que je ne sais pas si je comprends pas. Si Boohoo, les sites étaient trop grands, j'ai pris ma taille parce que je n'avais pas le choix. La première fois que j'avais commandé que la paire de chaussures et le leggings. Et après, je dis, t'aurais dû commander la robe. J'ai commandé la robe. Sauf que la robe, elle est trop grande pour moi. Mais quand je dis trop grande, pas trop grande, hein, mais elle est trop grande. Donc voilà la robe, les enfants. Il y a un maudit trou sur les côtés. Ok. Elle est très longue. Donc, soit je vais me filmer avec et je vais vous le mettre à la fin de la vidéo, ou soit je ferai une autre vidéo avec la robe portée. Et au niveau des reins, là, c'est un peu, ça baille un petit peu, mais sinon, c'est portable. Ok, c'est pas vraiment trop grand. Mais c'est dommage, j'aurais préféré avoir le S. Ok? Donc voilà les enfants, je suis contente. La robe est de qualité. Tu peux faire ça, tu as l'impression que c'est transparent, mais il n'est pas transparent. D'accord? Il n'est pas transparent du tout. Je l'ai déjà mis sur moi. Je l'ai essayé. Il n'est pas transparent. Si tu fais ça, oui, tu vas avoir transparent, c'est normal. Mais la robe, nickel. Donc voilà. Tranquille. Donc voilà, comme on dit. Mais je suis juste déçue pour le pantalon qui est hyper transparent. Donc voilà les enfants, donc c'est tout pour la vidéo. C'était vraiment une vidéo flashy, on va dire. Et je pense que je vais vous montrer ça dans un autre truc, hein, parce que sinon je vais jamais clôturer la vidéo. Donc voilà, gros bisous, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous voulez voir la vidéo de Sana, ben vous allez voir sur sa chaîne, hein. C'est la vidéo où elle présente son copain. D'accord? Donc vous allez voir sur sa chaîne et puis voilà. Donc, ben oui, voilà. Et ça, sur Instagram, elle existe aussi en blanc. Pas celui-là, hein,
Mais un style comme ça, en blanc, brillant, rose, brillant, bleu, brillant, sauf que j'ai peur de commander sur leur site. Donc dis-moi si tu as déjà commandé sur mon Instagram, est-ce que tu es déçu? Parce que moi j'ai la trouille, vu que j'ai pas beaucoup de sous, c'est pas la peine de le perdre, ok? Donc voilà les enfants, like, partage, commente. Bye! Gigi, c'est quoi ton rouge à lèvres? Ou si tu savais ma chérie, j'ai trois rouges à lèvres sous la lèvre. Pourquoi? Parce que j'ai fait trois vidéos et j'ai chaque vidéo, remettais un rouge à lèvres, je remettais un rouge à lèvres et je remettais un rouge à lèvres. Donc j'ai trois rouges à lèvres sous ma bouche. Et là, je sens la bouche qui est en mode givrée.